Je sais pas si vous êtes comme moi, mais les scènes de combat au cinéma, ça m'a toujours fascinée. Je me suis toujours demandé comment ça a été fait. Je me suis toujours dit aussi, si un jour je me fais attaquer par des méchants, là, j'aimerais ça être capable de me défendre comme ça. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, grâce à notre Misfit Spirit, Kellyanne, on va en savoir un peu plus sur le métier de cascadeur. Et puis, avis aux fans de l'émission Tactique, je pense que vous allez aimer notre invité spécial. Je vous présente Kellyanne Forget, une fille colorée, vivante, créative, avec une imagination débordante. Passionnée par les arts, elle adore monter sur scène lors de ses pièces de théâtre. Quand elle a trop le trac, elle se confie à son fidèle compagnon, un toutou qu'elle possède depuis sa naissance. Cette petite artiste âgée de 15 ans a aussi un côté entrepreneur. En effet, elle a créé sa propre compagnie de bijoux qui se nomme Abinelle. Dans ses temps libres, elle adore s'évader dans sa tête et dévorer une tonne de romans. Vous l'aurez deviné, Kellyanne n'est pas une grande sportive, mais ça ne l'empêche pas de vouloir relever de nouveaux défis, comme celui de réaliser ses premières cascades. Vous êtes surprise? Allô? Bien, enchantée. Bonjour. Kellyanne. C'est moi qui vais t'accompagner aujourd'hui. C'est fun. Donc, Frédéric, elle va vraiment le faire avec toi. Là. Ok, je suis partante. Tu vas te battre contre elle. Aïe aïe! Donc voilà les filles, c'est le gym où elles s'entraînent. Kellyanne, toi tu fais du théâtre. Est-ce que c'est pour ça que tu as voulu faire les cascades aujourd'hui? Ça a peut-être un lien, là, mais c'était pas directement par rapport avec ça. Là. C'est juste parce que c'est dans les cinq activités, c'est celle qui me semblait le plus. Pas original, mais comme le moins accessible, qu'on peut faire moins facilement. Les filles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Par quoi on va commencer, là? On va commencer par les réactions de base de combat. Dans le fond, parce que n'importe quelle cascadeuse ou cascadeur doit savoir ça. Comment on réagit quand on se fait donner des coups, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des vrais coups. Donc, comment on réagit pour que ça ait l'air vrai, pour que les gens y croient. Accident, là, des fois, est-ce que ça peut devenir un vrai coup? Ça peut, mais on essaie d'éviter ça. Sinon, on ne travaille plus beaucoup après. Donc, l'affaire qui se fait le plus mal là, en cascade, c'est le coup. Recevoir des coups, tourner les coups, on les tourne raides. Il faut toujours penser, je vais le répéter là, 20 fois dans la journée, toujours rentrer le menton parce que sinon, la tête snap. Mais là, il faut se réchauffer. Sérieux, l'échauffement, tu sauras. Nous, c'est sérieux, on rit jamais. Non. Hey, on se regarde vraiment pas longtemps, OK? Regarde. C'est notre dos qu'on veut mettre en premier, c'est pas notre tête, comme j'ai tantôt. C'est pas les coudes non plus. Puis aujourd'hui, tu vas pratiquer tes cascades, ta scène de combat avec Frédéric Dufort. Est-ce que tu étais contente de ta surprise? Ben oui. C'était le fun de la voir parce que je m'en attendais pas. Frédéric Dufort, notre surprise du jour. Pourquoi tu as accepté de te joindre à nous aujourd'hui? Parce que je trouvais vraiment que c'était un projet vraiment le fun. Puis en plus, ça incite à bouger, à être actif. Puis moi, je suis une fille qui a trop d'énergie à donner. Ça va être trop rough avec elle? Non. Alors, autant qu'elle soit pas rough avec moi, là. Du haut de mes 5 pieds, là, je peux pas arrêter de l'ensemble. Oh oui. Fais-moi un visage menaçant, là. Les sourcils. Les sourcils marchent toujours. Ça te fait-tu peur? Non. Mais c'est bon. Amuse-toi. Moi, je suis sûre que t'es capable. Yes. Yes. Les deux personnes, ça doit avoir l'air vrai. Fait que le timing est important. La vision est importante aussi. Donc, elle me regarde bien. Vous y avez cru, hein? Ça rentre. Donc, tu regardes bien mon poing. Et... Ah! C'est bon! Oh! Ah!
Les deux sont partis en c'est sûr que oui. Au lieu de faire ça comme ça, tu vas rentrer avec ton corps. Okay. Hey, c'était fort, celui-là, il était fort. Hein? Attention, Georges. Oh, un, deux, trois, quatre. Ouais, comme ça. En haut. Good! Bravo, Kalia, c'est bon. Avec les bâtons, là, c'est bien plus hot que les coups et les affaires de même. Ça donne comme un petit plus, là, c'est vraiment cool. Mais c'est vraiment juste de penser à tout pour que tout marche. C'est beaucoup de coordination, ouais. Hein, c'est ça. Ouais. Mais tu l'as pas pire. Merci. J'ai hâte de voir ton combat final. Merci. Kylian, tu viens de terminer ta journée en compagnie de Marie-Laurence et Marie-France, ces deux cascadeuses professionnelles. Est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes? Moi, je dirais même plus. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fun que ça. Vos élèves viennent juste de présenter leur spectacle de fin de journée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais j'ai été impressionnée. Pour vrai, ça marchait bien. La chimie entre les deux, il était bonne. Les deux étaient super bonnes. Puis j'avais une petite fierté, là, je dois avouer, quand je regardais ça. Comment tu t'es entendue avec Frédéric? Est-ce que ça s'est bien passé? Ah ouais, vraiment. Il était vraiment gentil. Puis tout de suite, les deux, ça a vraiment accroché de même. Là. C'était super cool. On a eu du fun, on a ri. Le fou rire interminable, mais c'était vraiment cool. C'est donc? Essaye de... Voilà. Mais moi, j'ai pas ton expérience. Ouais, c'est ça. Ben oui, j'ai une journée d'expérience de plus que toi. Mais parfait, moi je te félicite. T'as bien fait ça. Tu vas faire des beaux rêves. Tu vas rêver que t'es un ninja. Yeah. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos deux cascadeuses professionnelles, Marie-France et Marie-Laurence. Merci à notre Misfit Spirit, Kellyanne. Merci à notre vedette invitée, Frédéric Dufort. Et je vous dis à la prochaine!